Salut tout le monde, c'est Nopsy. Aujourd'hui, on se retrouve pour Contrôle. C'est la suite du deuxième épisode. Donc, on va le commencer tout de suite. Let's go. Les ennemis doubés sont plus difficiles à vaincre, mais donnent de meilleures récompenses. Voilà. Nous revoilà dans ce jeu. Notre mission, la suite, c'est frayez-vous un chemin jusqu'au secteur de maintenant. Bon, je pense qu'on doit aller voir l'homme qui chante. Vous entendez un peu là? Ouais, c'est là-bas. Rejoins-moi dans maintenance. Je te rejoins dans maintenance. Comme je l'avais dit, le concierge est quelqu'un de sympa. Ouais, j'ai l'impression aussi. Le secteur de maintenance, c'est le domaine du concierge. Si j'arrive à trouver Hattie, il pourrait m'aider à lever le verrouillage. Pour ceux qui savent pas, Hattie, c'est le nom du concierge. Je suis entré dans l'ancienne maison malgré le verrouillage. J'ai l'impression que c'est grâce à lui que cet ascenseur m'a emmené jusqu'au bureau de Trench. Hattie me guide-t-il aussi? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas trop s'il parle à moi ou s'il parle à sa conscience ou quelque chose comme ça. Ok, bon, maintenant on doit faire quoi? Trouver Hattie, le concierge. Ouais, d'accord. Bon, bah, let's go, nous on va aller le trouver. Au cours. C'est rapide que la lumière. Du coup, let's go, il est là-bas. Ah, bah, là c'est l'inverse du paradis. Hein. Je sais pas trop s'il faut aller là-bas parce que là il y a du rouge. C'est quoi cette voie? Le système pour lever le verrouillage est ici, dans la salle de contrôle. Mais comment y arriver? Ah, oui, d'accord. Il y a des ennemis. Vous tous vous butez. Oh, deux headshots. Vite, je dois te déglinguer. Comment se baisse? Je ne m'en souviens plus. Tu peux me laisser tranquille pendant un petit moment au moins. Ok, Jean-Michel. Allez, ça dégage. Mais laissez-moi tranquille jusqu'à ce que je trouve cette touche pour me baisser à la fin. Sinon vous allez crever comme... En fait c'est trop tard du coup. Donc quelle est la touche pour se baisser? Ah ok, c'était... On est arrivé au RSN. Le RSN, cet endroit, ce gros machin là, vous voyez. Je ne sais pas c'est quelle abréviation, mais bon, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est réparer le pont de refroidissement du RSN. C'est ce qu'on doit faire et trouver les convertisseurs d'énergie du RSN. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, comme je vous ai dit. Réparer le pont de refroidissement du RSN. D'accord, donc pour ça, il faut aller où? Bon, on va aller au plus proche. Ouais. Let's go, on y va. Oh, il y a des ennemis. D'accord. Je voulais balancer un petit truc dessus. C'est bon, il est mort. Ah, il y a des lance-raquettes et ces ennemis qui explosent. Non, mais je les abuse. Ah oui, d'accord. Carrément. Il y a où l'ennemi qui explose là? Il en avait bien. J'en avais vu. Non, je sais pas trop. Peut-être que c'est mon imagination qui me joue des tours, comme quoi qui dirait. J'ai trouvé. What? C'est quoi ça? C'était qui ce mec? Comme il m'a buté? Il est violent quand même. Il est pas qu'un peu. Hein. On va aller là-bas. On doit aller ici, on est d'accord? Ah d'accord, c'est là-bas qu'on doit aller. Ouais, il y a une mission là-bas. On doit aller par là-bas, c'est ça. Wow. Oh, cet endroit va s'écrouler. Ah bah dépêche-toi alors. J'ai pas envie que ça m'écroule dessus. Ah. On dirait carrément des gardes. Donc le problème c'est que c'est pas des gardes, c'est lui ici qui a pris leur contrôle. D'accord, ça dégage. C'est bon. Réparer les pompes de refroidissement du RSN. Pompes de refroidissement du RSN, ouais d'accord. Des titres en majuscule comme ça. Tout pourri. Répare vite si la centrale fait boum. On va jeter cuillère dans le coin. Je comprends pas ces petits trucs là qui dorment. D'accord, c'est ça? Il y a un bruit électrique. Ah, d'accord. Du coup, ça en fait, on doit. C'est un sort de générateur et on doit le mettre quelque part. Je sais pas vraiment où, mon dieu. Ah, bah là-bas en fait. Ok, c'est bon. Ah, et quand je mets ça, ça fait spawn des trucs. Ah oui, t'es comme ça, tu pièges. Ah, c'est ça là, c'est ces trucs qu'il faut ultra peur et qui l'évite. Regardez-moi ça, mais regardez, mais c'est quoi ça? Depuis quand ça existe ce genre de truc? Bon, ça explose et ça fait beaucoup de dégâts, il faut surtout pas s'approcher d'eux. Par contre, le truc qui est bien, c'est que ça les one-shot. Mais quand ils sont beaucoup, c'est galère. D'accord, ne m'approche pas, c'est bon, tu exploses tranquille dans ton coin. Il est où l'autre? Il est là. Tu vas crever.
Beurre. Beurre. Mais je t'ai dit de beurrer. Je t'ai dit de beurrer. D'accord, ça dégage. Double headshot. Attends. J'ai fait un headshot et deux tirs. Maintenant, on doit encore re-aller en haut. Let's go. Le pouvoir, il est bien pour aller rapidement en fait. Sur... Il faut grave avancer. Ah, mais non, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Du coup, ça aussi, on doit le placer quelque part. C'est où? Où je recherche cette paroi. Et c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Juste lâcher ça et prendre ce document. D'accord. Donc, c'est canalisation, branche et. Je sais pas, je pense que j'ai mal lu. Je dois mettre ça où par contre? C'est ça le problème. Et oh, je mets ça où? Wow. Je sais pas, tu me dis de passer de qui, mais je comprends pas. Ah, ça c'est un pour me reproduire. D'accord, c'est à cette taille. Bon, en fait, je pense qu'il y en a plein. C'est de eux que je dois me débarrasser en premier là. C'est trop de volant. En plus, il faut flipper, c'est ça que. Voilà. D'accord, ça dégage, on récolte des petits trucs, efficacité de recul brisure et efficacité de lancer. Donc c'est sur ces gros trucs là que je dois mettre ça. Bah d'accord, je pense que ça relie les tuyaux entre eux. D'accord, il est juste là. Donc on va prendre ça et on va le mettre dessus. Ma vieille bouchon bloque les tuyaux. Tu dois arranger bordel. D'accord, je dois arranger bordel. Avec les mains dans le sac. Ah, c'est peut-être ça, quoi. Ça, ça doit être de la colle. C'est ça? Bon, c'est quand même pas ça. Je dois pas me débarrasser de ça. C'est trop beau. Non, j'arrive. C'est dégueulasse, même. Ah! Ah, ça me fait plein de dégâts. Aïe. J'ai peur, là. D'accord, c'est beau. Putain, c'est quoi ce truc? Bon, c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Ça, je suis d'accord. Mais bon. Ah non, c'était pas ça qui bloquait. Mais c'est quoi alors qui bloque? Je pense que je sais c'est où. Ça devrait être... C'est la suite. Tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on a éliminé ce truc. Ah d'accord. Bon, voilà, on a fini de ce truc. D'accord. Ah, bah, d'accord, ça aussi. Il faut y prendre le truc. D'accord, c'est bon, ça dégage aussi. Ah, c'est bon, ça disparaît. Oh, dites-moi que ça disparaît. Oui, ça a disparu. Enfin. Du coup, normalement, je devrais. Wow. Faut se dépêcher. C'est sûr. Du coup, je pense que c'était ça qui est bloqué. Et c'est bon là. Ah, enfin. Donc maintenant, il faut trouver le convertisseur d'énergie du RSN. Donc pour ça, il faut aller là-bas. D'accord. Bah, c'est bon pour ce travail. Mais non, on va aller à d'autres endroits. J'ai récupéré un bug. Bouge, mais calme-toi avec ta calage, toi. Hein? Copac, éclaireur de seconde classe. Ah oui, il est puissant. J'aurais pas dû. Hein. Non, en fait, c'est bon. C'est bon. Ah, ah non, il a beaucoup de vie quand même. Il a un minigun carrément. Je suis pas sûr. C'est vraiment un minigun, en tout cas il est très puissant. Je pense que là les petits trucs là ça lui fait pas de dégâts. Je le lance des explosifs ou des trucs comme ça. Ça c'est pas trop un explosif. Ils sont où les explosifs?
Y a pas un truc qui explose quelque part. Je peux me lancer un générateur. Ouais, vous savez quoi, je pense qu'on va voilà quoi faire comme ça. Et on va lui balancer une poubelle dessus parce que lui-même c'est un déchet en fait. C'est pas une poubelle. Hein. C'est un truc explosif. Je coupe d'une poubelle avec un truc explosif. Donne-moi un pouvoir. Mais je t'ai buté, mais la moindre des choses, c'est me donner un pouvoir. Je sais pas moi. Ça serait sympa. Bon, je doute que les gens soient sympas. Enfin, soient aussi sympas que ça. D'accord, c'est bon. Dans l'ascenseur, je fais des ronds. Je fais des ronds. Et ouais, je fais des ronds. Ah là là. Allez. Combien va-t-on faire de ronds? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ronds. J'ai réussi à faire 6 ronds. C'est incroyable. What? Hey, je suis en train d'attaquer. Mais dégagez, c'est mon territoire ici, c'est mon terre-terre, ok. Allez, maintenant ça dégage là, allez, je ne veux plus vous voir parce que vous m'avez saoulé là, avec votre truc dégueulasse. Là quand même, faut pas se mentir, c'était quand même dégueulasse leur truc. Oh toi, tout lance-roquette, calme-toi. Vas-y, ça dégage. Aïe, mais ça fait mal. Un lance-roquette sur un humain. Non mais vous avez pas peur quoi. Lui c'est un gentil. Non c'est un méchant. D'accord, ça dégage. Lui c'est un gentil, ouais. Oui, je suis tellement là. De leur faire des headshots, c'est leur plan. Ah non, en fait je leur balance des trucs dessus, ça leur plaît aussi. Vas-y, explose sur l'autre. Ah non, je veux pas buter son général. Ah là c'est bon, je lui ai fait un bon headshot de la fin. Où il va lui? Mais où tu vas toi? Mais t'as vraiment quoi t'enfuir comme ça? Oh, toi, je te parle. Oui, toi. Oui, je te parle. Non mais... Un peu, mais respecte-moi à la fin. Mais c'est pas possible. Je me respecte pas. Alors toi, tu dégages. Vous avez vu, ça marche. D'accord, on y va là-bas. Ah, on va purifier ça. J'ai pas déjà purifié ici. Non. C'est bon, mec, j'ai purifié, tranquille. Ça, c'est le shotgun. C'est le truc de malade. Bon, bah, d'accord. Trouver les convertisseurs d'énergie du RSN. C'est ce que je suis en train de chercher de perro. Donc, c'est là-bas, c'est ça. Oh, il y a un ennemi. Il a explosé. C'était bon ce mec. Non, je sais pas ce qu'il s'est passé. Je veux pas que je leur fasse des shots. Hein. Je pense que j'en ai fait un. Oh, c'est qui lui? Oh my god. Ah oui, je change d'arme. Shotgun mon gars. C'est un problème. Moi aussi j'ai un shotgun. Sauf que tu vois, je fais one shot avec juste ça quoi. Dommage. J'ai du gâchis. Ah, j'ai direct buté. Non mais en fait, il est trop. Ah oui, j'ai amélioré les dégâts x2. Vous avez deux fois plus de dégâts qu'avant. C'est vrai ça. C'est pour ça que je leur fais autant de dégâts là au lancer. Mais je suis surhumain là. C'est abusé. D'accord, c'est vers là-bas. On y va. D'accord, on y va comme ça. Trouver le convertisseur d'énergie du RSN. Wow. Calmez-vous. Non mais vous êtes crouillou là. On me sert plutôt malade tout ça. Mais ces gens ils prennent trop la confiance. Non mais ça a abusé. Ça dégage. Ah, d'accord, je vais purifier ce point de contrôle. Let's go. Allez, tu peux le faire.
C'est bon, il a plus. Du coup, les matériaux que je récupère, c'est à construire ces armes. Va détruire. D'accord, voilà, ça dégage, comme ça je peux entrer. Ça me fait mal. Eh, pourquoi ça me fait mal? Je vais essayer de passer là. Ah non. Ah, c'est ce truc là que je dois détruire. D'accord. Il y a un autre truc aussi que je dois détruire. Ah, je viens de comprendre. Je dois prendre ça, le mettre ici. Après aller là-dedans et réparer ça quoi. C'est grillé. Tu dois réparer avant que le vieux pétan nous branche dedans la planche et fasse caprice. Combien de sortes d'énergie RSN? On est quoi, c'est une autre mission? Pourquoi ces gens ils volent en l'air là? Mais ils m'ont arrêté de voler et bien en fait. Comme ça on peut les éclater comme des ballons. D'accord, du coup il y a un truc ici. C'est bon, j'ai trouvé un générateur mon gars. Mais non mais... mais d'où je prends ça alors que je sais bien que c'est ça que... Non, c'est en haut. Pourquoi tu te caches? Ah, son missile, il a traversé la barrière, mais il est sérieux. Voilà, c'est bon. C'est bon. Allons lever le verrouillage. On va lever ce verrouillage. D'ailleurs, on va aussi prendre ça au passage. Ça me donne des matériaux. Date de la prochaine partie. Quelle partie? Wow. Du coup, c'est mon terre-terre ici. Tout ça, c'est mon terre-terre, d'accord? Je suis la directrice. Bon, le directeur plutôt. C'est mon terre-terre, d'accord? D'accord, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais me reprendre mon terre-terre. Et... tadam! Tout se réhabilite. C'est magnifique. N'est-ce pas? D'accord. Responsabilité de les protéger. Force emprisonnée. S'échapper. Terreur. Or, le verrouillage est activé. T'active là-bas. On va être énorme là-dedans. C'est une clé pour un ascenseur. Oh, c'est beau. Les autres secteurs devraient être accessibles. Enfin. Je crois qu'il est temps de dire à Emily pourquoi je suis là. Prends le risque. Vous devriez faire connaissance tous les deux. On y va, on y va. C'est bon, maintenant je peux y accéder, vous voyez. Avant j'arrivais pas en fait. Parce qu'en fait, c'est trop, ça me gênait. Non, pas du tout, hein. C'est pas ce truc qui me gênait. J'ai juste fait ça pour le fun. Du coup, grâce à mon arme, j'ai réussi. Donc, ventilation, janitor, truc. On va parler à Emily. Let's go. Elle est où? Elle doit être là-bas. Ouais. Ah, ouais, je peux accéder à tout ici. Du coup, Emily, elle doit être secteur exécutif. Logiquement. Yes. Le corps à corps est le plus efficace contre les ennemis en armure. Merci pour cette astuce. Teleportation. Voilà, nous revoici un peu au centre du terre-terre. Elle est là-haut, là. Ouais, dans le bois de l'homme. Jessie, bon travail. Elle est toujours là depuis. Et vous avez levé ce verrouillage. Emily, un mot? Oui. Bien sûr. Écoutez, Emily. Ouais. Allez, je dois me lancer. Vas-y, lance-toi. J'ai pas été... tout à fait honnête. J'ai un petit frère, Dylan. Quand on était petit, on a trouvé un vieux projecteur dans la décharge d'Ordinary. Les diapos ont créé des portails vers d'autres lieux. Des horreurs en sont sorties. Je m'arrête là. Le reste, je le garde pour moi. Bon, c'est pas beaucoup d'indices, hein. Mais... on nous a aidés. Dans l'un des portails, nous avons trouvé... une entité. Une entité?
quel genre d'entité ? Tu vois ? Difficile à dire. Mais ça... Elle nous a aidés. On a réussi à éteindre le projecteur. Les horreurs qui sortaient des portails ont disparu. Après ça... Vous êtes venus pour nous prendre. Moi, j'ai pris la fuite. Mais ils ont eu Dylan. Je l'ai laissé tout seul. Des agents du bureau ont pris votre frère. Ouais. Vous êtes resté discret. Personne ne m'a cru. Je veux juste retrouver Dylan. J'essaie toujours de le retrouver. Qu'est-il arrivé à ce projecteur ? On dirait un autre objet de pouvoir. Il y a un truc dans... Je pensais que vous l'aviez pris. Le bureau. En même temps que Dylan. On ne m'en a rien dit. Mais par ici, absolument tout est confidentiel. J'ai consulté les dossiers de l'EAM d'Ordinary depuis la dernière fois. Trench et Darling étaient tous deux impliqués. Une large zone du secteur de confinement lui était réservée. Personne n'en a entendu parler depuis longtemps. Je ne sais même pas s'il reste quelque chose là-bas. Vous pouvez m'en dire plus sur cette entité dont vous parlez ? En espérant que vous allez vous entendre. Elle m'accompagne depuis Ordinary. Dans ma tête. Ah, c'est pas Dylan, j'ai cru que c'était Dylan l'entité en fait. Elle m'a menée à vous. Je l'appelle Polaris. D'après l'étoile polaire, est-ce que Polaris connaît le Is ? Si elle vous a fait entrer malgré le verrouillage, c'est qu'elle est puissante. Ouais. Ce qui pourrait expliquer vos résultats d'examen. Vos relevés sont incroyables, Jesse. En les comparant à la base de données, j'ai trouvé deux correspondances dans les fichiers confidentiels de Darling. Malheureusement, je ne peux accéder à rien, hormis les codes des fichiers. L'un d'eux est P6, ce qui réfère à un candidat primaire pouvant devenir directeur du bureau. Il date de plusieurs années. Dylan ? Est-ce que c'est Dylan ? L'autre résultat est quelque chose qu'on appelle polyèdre, et qui doit être lié d'une manière ou d'une autre à ces amplificateurs de résonance polyèdre. Tout ce que je sais, c'est que Marshall est allé dans le secteur de recherche pour assurer la production d'ARP après le premier assaut du IS. Bon, Marshall semble être notre meilleure piste vers Dylan. Il faut que je la suive. Comment je peux accéder au secteur de recherche ? Utilisez ma carte. L'ascenseur de secteur vous y emmènera. Et on a une carte. Super. Marshall est la prochaine étape. D'après ce que m'a dit Emily c'est sur Ordinary, mes pouvoirs sont liés à des choses appartenant au passé du bureau. C'est elle ou... Je suis proche de quelque chose. C'est elle. Tu le sens aussi ? Quelque chose arrive. Ouais. C'est... C'est toi ! On tourne pour faire les visites. Ah non, c'est toi, tu... J'ai aidé toi, tu as dette envers moi. Plus tard, je vais venir demander de l'aide de toi. Mais bon, c'est plutôt nous qu'on t'a aidé. D'ailleurs, j'ai rendu ta dette. Logiquement. Est-ce que je peux lui parler ? Hey, Jesse. Elle est venue de Darling, mutation... Ah oui, je peux lui parler de tout ça. Mutation de bâtiment. Cet endroit est en constante évolution, pas vrai ? Oh, vous avez remarqué les mutations ? Vous saviez qu'elles étaient responsables de 39% des accidents du bureau ? C'est le cas ! J'ai fait les calculs moi-même ! Donc, elles sont dangereuses. Oui, très. Un jour, un requin est apparu dans une salle de réunion avec plus de 7000 litres d'eau. C'était un requin-tigre, un des projets de recherche préférés de Darling. J'en ai oublié le but, d'ailleurs. Comment les gens arrivent à travailler ? Ouais, avec un requin dans leur bureau. Les points de contrôle. Ouais, c'est vrai que j'aimerais en savoir plus là-dessus. Vous pouvez en dire plus sur les points de contrôle ? Ce sont des points de liaison des énergies uniques de l'ancienne maison. J'ai écrit une étude de 30 pages qui indique qu'en théorie, nous pourrions siphonner directement leur énergie. Darling a rejeté mon idée avant même d'avoir fini la première page. D'accord. Et est-ce que quelqu'un s'en est déjà servi pour se téléporter ? Mais c'est vrai qu'on peut se téléporter avec ça. Physiquement, vous voulez dire ? Non. Pas que je sache. Pourquoi ? Parce que... moi, j'arrive à m'en servir pour... Quoi ? Vraiment ?
Oh mon dieu. Des examens. Ouais. Les examens devront attendre un peu, d'accord? Des examens. D'accord. C'est juste ouais, que... parce que... Ouais. Ça fait mais revenir en force ma théorie sur les points parce de contrôle. Sinon... Je suis ravie. Sinon, il y aura trop d'examens ou de contrôles, vous voyez. De contrôle d'ailleurs. Je suis en train de jouer à contrôle alors que j'ai un contrôle demain. D'accord, bon bah on va quitter ça. À bientôt. À bientôt. Soyez bien prudent. De toute façon, je suis très fort avec mon entité qui m'accompagne, Polaris. Comment on est censé collecter des données si on ne peut pas s'approcher de ces choses? Non, j'en sais rien, faites comme vous voulez. Hein. Ah, j'ai 4 points de capacité. D'accord. C'est quoi ça? Lancer d'explosifs. Envoie les grenades et la roquette à l'ennemi. Ça c'est quoi? 30% de dégâts corps à corps. Ah oui, c'est la vie que je voulais améliorer avant tout. On va faire ça. Bah voilà, maintenant j'aurai plus de vie. Beaucoup plus. Bon bah là j'ai plus de points de capacité pour le truc. Après ce que je dois faire, trouver Marshall. D'accord. Bah je vais me téléporter. C'est bizarre à dire comme ça. J'espère que ça se casse pas. D'accord, ah bon, ça se casse un peu, mais... J'arrive vraiment pas à passer là. Non, mais non. Oh, yes, j'ai réussi. Bah du coup, on y va. Non, je peux pas. Mais... non, j'ai fait tout ça pour rien. Bon bah, alors on va aller quelque part d'autre... On va aller vers la ventilation. Lancer inflige plus de dégâts aux ennemis en armure. Combat rapproché et lance leur inflige plus de dégâts. Sur la map, ils me disent que je peux aller comme ça. Sauf que non, j'arrive pas. Bon, vous savez quoi? On va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortent. Et bah, il y a let's play sur ce jeu. Il y a des prochains épisodes qui arrivent, n'oubliez pas. Et sur ce, moi, je vous dis ciao tout le monde et peace. Non, 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 non.